messieurs, dames, nous sommes en compagnie de notre ami Patrice Libert. Alors Patrice, tu es en compagnie de notre ami Théo Steimer des Moustaches. Et là, ça va envoyer du bois puisque Théo a mis la finale de Coupe Davis sur sa tablette, à ta gauche. Donc, il risque de pouvoir y avoir bagarre entre francophones et suisses. Comment tu te sens? Bah, ça va, 35 bleds, on va essayer de doubler et puis on va bien voir ce qui se passe. Hein. C'est aujourd'hui que ça se passe. Hein. C'est aujourd'hui qu'il faudra tout faire, il y aura 26 payés. Est-ce que la nuit a été bonne, on s'est bien reposé ou on est tombé dans un traquenard? Non, pas de traquenard, là. On est rentré d'un coup et on fait un gros dodo. Ouais. Pas de soirée Mike Brandt ni de soirée Jupiler? Rien du tout. Calmos. Bertrand, ton fils est toujours dans la compétition? Ça se passe bien, là derrière, on va faire un petit tour. Il est où Bertrand? Ah, il est là-bas. Bon, il a mis la même chemise que son père. Hein. Collection Rock voisine. Voilà. Alors Bertrand, tu as mis ta chemise à carreaux, collection Rock voisine, comment ça se passe? Ça va. Bon, Bertrand. Bon, si j'ai 81 mules. J'ai 40 blindes. Je vais attendre un peu, hein. Pas faire le fou parce que l'autre à côté ici, il a 220, je crois, 250. Il va jouer avec tout le monde et j'ai pas vu qu'il joue avec moi maintenant. Ah, t'as pas envie d'être son petit objet sexuel pour l'instant? Pas tout de suite en tout cas, non. Peut-être tantôt, on verra. Hein. On verra. Écoute Bertrand, c'était une bonne chance. Donc on vient d'entendre Bertrand Libert annoncer en direct qu'il souhaitait être l'objet sexuel de son adversaire, mais plus tard dans la journée. On vous souhaite à toutes et à tous un très très bon tournoi. On vous rappelle que vous pouvez suivre le coverage en français sur team.turbopoker.fr, le coverage en anglais et en allemand sur megapokerseries.com et le live streaming sur les trois sites, seulement dans la langue de Goethe. À bientôt.